Allez-vous, j'espère que tout le monde va bien. Prenez que ce qui vous parle, c'est une générale, faites preuve de bon sens. Merci aussi également pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Allez, là c'est le tarot et après ça sera pour mes célibataires en couple ou en relation. Mais ça c'est après, chaque chose en son temps comme on dit. Alors qu'est-ce que j'ai? Waouh! Le bonheur, le 10 de pentacle, le bonheur avec l'être aimé, le bonheur avec la famille, hein, c'est ce que j'ai, l'un ou l'autre, ou les deux. Ici, il y a quelqu'un qui signe un contrat, on parle d'argent, hein, on parle de croissance financière. Après, ça peut me parler aussi qu'on utilise cette somme-là, pour acheter, par exemple, une voiture, un canapé, une maison, un appartement. J'en sais rien moi, une table, des chaises, vous voyez, mais en tout cas on est là-dedans, on est fiers, oh là là, on fait la fête. Certains de vous, ici on vous parle de mariage, de fiançailles, de grossesse naissance aussi, ouais, on peut parler de ça, félicitations, à moins que ce soit vous qui êtes justement invité, ça c'est possible. En tout cas, certains de vous, vous échangez. Vous sortez, vous êtes invité, vous voyez, ça c'est très bien. Oh, il y en a qui sont tout contents, tout heureux, contents et contentes, parce que ici, qui c'est ça? C'est le page de coupe. Le page de coupe, c'est celui ou celle qui est amoureuse. Alors, soit vous êtes amoureux, amoureuse, déjà, ou ça vient d'arriver, ou ça va arriver, hein, pour mes célibataires, par exemple. Et vous revivez, ça vous fait du bien! Ça vous fait du bien. Alors, c'est possible ici que vous êtes intéressé par une personne qui a du charisme, hein, comme cet empereur, qui viendrait peut-être des îles d'Afrique, oui, pourquoi pas, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui a son compte. Mais sinon, peu importe, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui a de la classe, d'accord? Mais ça, si c'est un homme ou une femme, hein, à vous d'adapter, bien entendu. D'accord? Et pour certains de vous, en fait, vous êtes big boss. Homme ou femme, hein, voilà. Bon, j'ai grossesse naissance, mais je l'avais ici. Hein, de toute façon, moi, ça anime hein, les cartes. Alors, et merci à nos guides, bien entendu. Ici, en fait, si vous voulez, certains de vous, vous êtes à votre propre compte ou vous allez être à votre propre compte. Hein. C'est ce qu'on vous dit, il y a la réussite au bout. Elle est là, cette réussite, hein, on est fiers. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va voir. C'est la renaissance, hein, parce que certains de vous, vous étiez, j'allais dire, la médiocrité, figurez-vous. Bah oui, vous étiez avec une personne médiocre auparavant qui vous a fait beaucoup de tort. C'est pas tout le monde, mais si vous vous retrouvez là-dedans, c'est vous, qui vous a fait du tort, qui vous a fait du mal. Et du coup, peut-être que vous avez souffert parce que vous n'avez pas pu être en couple avec des enfants, par exemple, vous voyez, ou alors cette personne-là, elle n'avait pas envie d'une relation sérieuse et elle vous a fait espérer tout ça. Ça, c'est plausible aussi pour certains de vous et certaines. En tout cas, il y en a certains et certaines, c'est possible qu'il y a eu des difficultés pour avoir un enfant. Hmm? Pour d'autres, bah, écoutez, vous êtes dans la renaissance. Ça sent bon l'amour ici. Hein? Nouveau départ. Hein? Bon, écoutez, certains, ça sent bon l'amour. Nouveau départ au niveau de l'amour. Pour d'autres, c'est nouveau emploi. Pour d'autres, c'est par rapport à cette somme d'argent. Cette somme d'argent, soit vous l'utilisez, je vous ai dit, pour acquérir un bien, ou pour d'autres, en fait, il y a une somme d'argent qui arrive à vous. Ça peut être un héritage, ça peut être les prud'hommes, par exemple. Vous voyez, ça peut être une action en justice. Hein. Bon, ça sent bon l'amour. On va voir tout de suite. Allez, mes célibataires, qu'est-ce que j'ai? Oups, où est-ce que tu es parti? C'est l'alchimie, mes célibataires Capricorne. Ouh, il y a quelqu'un qui vous fait chanter. Oh là, il y en a trop. Ah non, il y en a trop. Qu'est-ce que je fais? Il y en a trop. Ah non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Allez, je continue. Il y en a trop. Je suis désolée, mais il y en a trop. Nouvel amour. Voilà, ben oui. Ben, ça sent bon, mes célibataires. Nouvel amour, alchimie, chimie, attraction. Vous êtes comme deux aimants. On ne se lâche plus ici, hein, regardez-moi ça. Oups. Oh là 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 là, doucement. Oh là là, ça veut parler. Hein. Bon, je ne peux rien faire, ça veut parler, je les prends. Hein, d'accord. Alors, on va regarder immédiatement.
Quelqu'un fraîchement séparé, non? Ou c'est vous? Allez, hop, on attire l'âme sœur. Hein. On attire l'âme sœur. Alors, écoutez, exprimez votre amour. Ouh, j'en ai des frissons. On converse. On se libère, là. On se libère d'un ex ou d'une ex. Alors, moi, je vous dirais, si vous avez rencontré cette personne, que c'est récent, c'est pour vous. Et les autres, mes célibataires, certains et certaines de vous, il y a de la chimie, il va y avoir de la chimie, nouvel amour ici. Alors, peut-être que vous êtes fraîchement séparés ou c'est cette personne qui est fraîchement séparée, c'est plausible. Ou sinon, on se libère de son passé, d'accord? Et là, on a envie, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas coucher tout de suite. C'est ce que ça me dit, hein. Ça peut être vous, ça peut être ce nouvel amour, cette nouvelle personne. Mais il y a un respect mutuel, en tout cas. Et qui va faire languir l'autre, on va dire, hein, d'accord, clairement. Et parce qu'il y a aussi des conversations, on a besoin de savoir où on met les pieds un petit peu. Bon, moi, je vous dirai quelque chose. Aimez-vous d'abord, c'est aussi d'en profiter. Alors, d'en profiter, de converser, de se charmer, c'est normal. Il se passera ce qui se passera. Discutez honnêtement de vos sentiments, voilà, ça c'est très bien. Mais c'est aussi d'être dans le divertissement. Vous en avez besoin. Divertissez-vous, sortez, allez visiter des musées, allez à la plage, allez à la montagne un week-end, une journée avec cette personne, ou alors restaurant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses, quoi. Promenade, pique-nique, ce que vous voulez. Mais vous ne prenez pas trop la tête, parce que j'ai l'impression que certains de vous vous dites c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui. J'espère, j'espère, j'espère. Là, on se prend trop la tête, on n'en est que le début, d'accord? Donc, laissez faire les choses. Apprenez à vous connaître pour ne pas être déçu par la suite. La confiance, elle se donne petit à petit, vous voyez. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je dirais pas la suite. Ben oui. Synchronisation divine, hein, pour moi, c'est... Pour moi, ici, c'est vraiment... et du coup, il y a quelqu'un, un de vous deux, qui oublie un ex ou une ex, et en fait, vous sortez du passé. C'est bien. Ici, synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est prévu. Donc, c'était prévu. Donc, à vous de voir, mes célibataires, ce que vous en allez en faire de cette relation. D'accord? Alors, en couple ou en relation, justement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Parce que cette carte-là, je m'en méfie du poussin. Il est mignon, hein? Mais des fois, la fragilité. La fragilité, c'est parce que le couple est fragile ou alors parce qu'il est nouveau. Le poussin, il vient de naître. On va voir. Ou qu'on doit faire grandir. On va voir. Oh non, mes chéris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a besoin de parler. J'ai un couple. Pourtant, vous vous aimez. Hein? Oh. Alors, ici, il y a besoin de... Alors, on s'aime et tout ça, mais il y a besoin de discuter, de dire réellement, oser parler, vous voyez, à l'autre. Il y a des efforts à faire. Pourquoi j'ai cette peine? Vous vous êtes réconcilié, peut-être. C'est possible qu'on s'est réconcilié ici. Mais sinon, c'est possible aussi. On s'aime, hein, pourtant, mais c'est possible qu'il y en a un des deux qui soit un peu violent dans les propos ou agressif dans les propos. Ben, ça, c'est pas bien. Il faut, on vous dit, être équitable. Il faut se respecter. Vous voyez, être sur la même longueur, quoi. Ici, au même niveau, je voulais dire. Excusez-moi, pourquoi je dis longueur? C'est pas grave. Au même niveau, il faut se respecter et avancer dans la vie. Parce que vous vous aimez, mais il y a besoin de communication chez vous. De se mettre d'accord, de faire des efforts. Et puis après, il y aura des projets, des bébés. Après, un projet, ça peut être aussi... tellement de choses, d'accord? Alors,
Ouais, c'est une réconciliation pour certains, mais après, ça ne veut rien dire. La réconciliation, soit vous vous êtes remis ensemble, soit, par exemple, vous êtes en train de discuter de la réconciliation et que c'est encore fragile, ou alors, ça peut être aussi qu'on fait la paix, c'est-à-dire on ne s'est pas quitté, hein. On fait la paix sur l'oreiller, mais n'oubliez pas d'en parler, de régler les choses, parce qu'elles ressurgissent sinon. Et il y a quelqu'un de toute façon qui doit se libérer. Il y a quelqu'un, un des deux qui a mal, ça lui a fait mal à son cœur. Donc, qui a besoin réellement oser de dire, voilà, moi je suis plus d'accord, tu m'as fait mal en me disant ces mots-là, tu as utilisé ces mots-là, c'est pas correct, c'est pas bien, c'est pas beau, je ne veux plus, c'est la première et dernière fois. Et ouais, moi, avec moi, ça rigole pas. Bon, enfin bref, ici, on s'aime beaucoup et on se redonne la chance, hein, c'est ce que j'ai, hein, mes loulous. Bon, là, il y a besoin d'être vraiment au même niveau, hein, et se respecter ici, puis voilà, quoi. Et faire grandir un peu. Il y en a un des deux qui n'est pas très mature là-dedans, d'accord? Mais il y a besoin de discuter. Voilà, prenez que ce qui vous parle. Je comprends mieux la permission avec la réconciliation. Réglez vos problèmes, communiquez dans la vie. Mais communiquer, c'est aussi d'oser dire à l'autre et que l'autre ouvre les écoutilles et entende. Vous voyez? Eh oui, voilà. Et faites les efforts ensemble puisqu'il y a de l'amour entre vous. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Si vous avez besoin de moi, vous savez très bien, vous avez tout en dessous de la vidéo pour une consultation téléphonique ou alors je vous fais cette vidéo et je vous l'envoie si vous êtes timide ou des fois vous n'aimez pas le téléphone ou j'en sais rien. Ou des fois les gens me commandent des vidéos parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est tout, hein. Moi j'enregistre, j'expédie la vidéo, c'est en privé bien entendu, il n'y a que vous qui l'entendez. Et voilà, hein, j'en ai plein des vidéos, hein. J'en ai fait une tout à l'heure, j'en ai fait trois hier. Bon, j'en ai toutes les semaines des vidéos. Donc, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et j'allais dire très bonne continuation. Non, non, non. Je voulais vous dire très bonne soirée et très bon début de semaine. Bisous.